Bonjour à tous, amis de la miséricorde, en ce samedi 11 novembre. Alors bien sûr, c'est la fête de l'armistice, de la paix, de la signature de la paix, hein. Mais c'est aussi la fête de Saint-Martin de Tours, qui fut un évêque et qui a été le premier à fonder un monastère en Gaule, à Ligugé, dans le Poitou. Il venait de Hongrie, il était fils d'un militaire, donc forcément il était obligé de devenir aussi militaire. Mais il a abandonné la carrière des armes pour se tourner vers la carrière du Christ. Et on connaît tous l'histoire de Saint-Martin de Tours qui, du haut de son cheval, voit un mendiant transi de froid, c'était l'hiver. Et il partage son manteau pour lui donner une moitié, et la nuit suivante, il a compris que c'était en fait le Christ qu'il avait revêtu de son manteau. Une belle figure de l'Église. Le mois de novembre est toujours le mois des âmes du purgatoire, donc on va en reparler tous les jours. Et aujourd'hui, je voudrais vous rappeler la belle histoire du scapulaire du Mont Carmel qu'a donné Notre-Dame du Mont Carmel à Simon Stock. Et lorsqu'on se fait imposer le scapulaire et qu'on le garde et qu'on meurt avec cet habit sur nous, la Vierge a promis qu'elle venait nous chercher dans le purgatoire le samedi qui suivait notre mort. Alors si vous mourrez un vendredi, eh bien vous ne ferez qu'un jour de purgatoire, et ça c'est génial. Donc je voulais vous rappeler cette histoire. Nous allons prier pour toutes les âmes du purgatoire. Tout à l'heure, nous ferons une grande prière pour justement les défunts qui sont morts à cause de la guerre, soit les combattants, soit les civils. Donc nous prions pour toutes les âmes du purgatoire, surtout celles qui sont mortes pendant la Première Guerre mondiale. Nous prions pour tous les malades, particulièrement les malades du cancer. Seigneur, partout où tu passais, tu guérissais les malades. Et tes disciples, tu leur as donné le don de faire des guérisons miraculeuses. Alors, Seigneur, guéris encore aujourd'hui tous ceux qui sont malades. Ils sont malades depuis longtemps, comme ceux qui sont atteints du cancer. Nous prions pour les mourants de ce jour, les bébés qui vont être avortés. Nous prions pour que l'Esprit Saint nous accorde ses dons et ses fruits, comme la gentillesse, la bonté, l'esprit de pardon. Nous prions pour tous les dirigeants, pour les journalistes. Nous prions pour le pape François, toute notre Église, les prêtres et les consacrés, les prêtres malades, les évêques. Nous prions pour nos familles, nos petits-enfants baptisés et non baptisés. Nous prions pour la conversion de tous les cœurs et nous prions pour la France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés
et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous
et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le 11 novembre 1918, l'armistice était signé, la Première Guerre mondiale prenait fin, un avenir de paix s'entrouvrait. La paix est l'objet du profond désir de l'humanité de tous les temps, disait le pape Saint Jean XXIII. Alors prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour le temps de paix, certes fragile, que vivent entre eux les peuples d'Europe. Et nous te prions pour tous les peuples qui, sur tous les continents, connaissent la guerre et les conflits, souvent dans l'indifférence du monde. Dieu de miséricorde, apprends-nous les chemins de la fraternité et de la paix. Et nous pensons tout particulièrement au Moyen-Orient, en Ukraine, en Arménie. Seigneur, nous nous souvenons des poilus de la Grande Guerre. Nous te rendons grâce pour les hommes et les femmes de notre pays qui, au service de la paix, risquent aujourd'hui leur vie pour leurs concitoyens. Et nous te prions que ceux et celles qui ont été blessés ou tués dans des attentats ou sur des théâtres d'opérations extérieurs, Dieu de miséricorde, apprends-nous les chemins de la fraternité et de la paix. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui, au nom de leur foi, sont soucieux de la dignité des hommes. Ils sont artisans de paix dans leur famille, leur travail, leur commune, au sein d'associations. Et nous te prions pour ceux qui sont victimes d'injustice, de mépris, de misère, de violence, tout particulièrement pour les réfugiés, les exilés. Dieu de miséricorde, apprends-nous les chemins de la fraternité et de la paix. Seigneur, nous te rendons grâce pour ceux qui acceptent des responsabilités politiques, économiques et sociales et syndicales. Nous te prions pour qu'ils aient toujours le souci du bien commun en vue de construire une société fondée sur la vérité, la justice, la charité. Dieu de miséricorde, apprends-nous les chemins de la fraternité et de la paix. Seigneur, nous te rendons grâce pour les communautés chrétiennes qui se réunissent à travers le monde en ce jour. Elles sont à l'écoute de ta parole et partagent ton corps. Et nous te prions pour qu'elles accueillent ta paix
et en soient des témoins dans tous les pays où elles vivent. Dieu de miséricorde, apprends-nous les chemins de la fraternité et de la paix. Ainsi soit-il. Et je vous propose de méditer les mystères joyeux du rosaire de Jeanne d'Arc. On va revivre son épopée et on va voir que ce n'est pas une question de force ou d'intelligence ou je ne sais pas quoi pour sauver son pays. Il faut juste répondre à l'appel de Dieu et il faut y aller sans avoir peur. Alors méditons ensemble les mystères joyeux du rosaire de Jeanne d'Arc. On se retrouve demain à l'heure de la miséricorde, si Dieu le veut. Et que Jésus nous bénisse par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.